qui va sortir bientôt. Bonjour, le membre de Clément Chris et le membre de Tony. Donc voilà, je suis toujours à Sèvres, hein, au CNC Studio avec Tony. Bonjour Tony, ça va? Ouais, bien, le coup de guitare. Hein. Bah, merci beaucoup. Voilà. Alors, en deux mots, qui est Tony? Moi, ça fait quoi? Ça fait 10 ans que c'est de la guitare, donc j'ai commencé par le conservatoire. J'étais le guitariste du groupe After Ivory. Pendant 5 ans, on a tourné pas mal en France. Et bah, maintenant, malheureusement, on s'est séparés. Et depuis, je suis à fond. J'ai diversifié mes projets, quoi. Je suis un fou sur TikTok en ce moment, je joue pas mal de gens. D'accord. Quoi. C'est, je joue vraiment de tout maintenant. D'accord. Et pour quel artiste aimerais-tu jouer un coup de guitare? Deux artistes. Deux artistes? En France, du coup? En France. Qui j'ai pas fait? En vrai, ouais, ils sont maintenant inaccessibles, quoi. Il y a Jean-Jacques Goldman que j'adore, mais il est. Il est maintenant en Angleterre, quoi, donc il est à la retraite. Avec qui j'aimerais jouer? En vrai, j'ai pas trop réfléchi. Il y a énormément d'artistes que j'adore, genre en France, il y a Stromae, que j'aime beaucoup. Il y a aussi toute la scène rap avec Orelsan. Ouais. En vrai, Orelsan, ce serait kiffant, genre faire un petit. Je le ferai tourner la vidéo. C'est pour ça que je t'ai fait venir et je te remercie d'avoir joué le jeu. Et quelles sont tes inspirations musicales? Mes inspirations? Moi, de base, je suis via mon groupe After Ivory, on était à fond dans le rock, donc mes grosses influences, c'était Muse, Radiohead, Jeff Buckley, enfin toute la scène années 90, Linkin Park aussi. Et plus récemment, il y a de nouveaux groupes que j'ai adorés, qui sont un peu moins connus, il y a Nothing But Thieves, il y a aussi l'artiste Tamino que j'adore. Et maintenant, je me diversifie, en fait, j'écoute vraiment tout ce qui passe. Que ce soit Dua Lipa, Charlie Puth aussi que j'aime beaucoup. Voilà. Et tu joues la guitare depuis combien d'années? Du coup depuis 10 ans, j'ai commencé dans le conservatoire. Je l'ai fini d'ailleurs. J'ai été jusqu'au DEM. D'accord. Voilà, d'accord. Je te remercie pour ce petit avant-goût. Non, et moi je vous dis, c'est un artiste à suivre. Fais le coup de guitare là, avec la main là. Je sais pas, je peux faire de l'air guitare. Voilà. Vraiment c'est un artiste à suivre et au plaisir d'une interview prochainement. A bientôt Tony. Bye bye.